C'est quoi qui va le libérer? Libérer l'esprit de Dieu en toi pour qu'il agisse. Avec Dieu, j'ai franchi le miracle. Avant d'être avec Dieu, ce n'était pas possible que je franchisse le miracle. Mais avec Dieu, je franchis le miracle. Sans être avec Dieu, il y a certains exploits qui resteront des utopies. Amen. C'est cette parole, cette expression, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Avec Dieu, je puis tout. C'est avec Dieu. Un homme avec Dieu. C'est un homme extraordinaire. Parce que Dieu, dans notre ordinaire, accomplit l'extraordinaire. Nous voulons entrer dans une autre phase. Nous voulons plus être des chrétiens ordinaires qui se contentent de routines. Mais nous voulons maintenant défier Satan. Nous voulons défier son monde. La première chose, il faut te réjouir du fait que Jésus vient en toi. Ça, c'est la première chose. Te réjouis que Jésus vit en toi. La Bible dit, ne reconnais-tu pas que Jésus est en toi? Si Jésus est en moi, il n'est pas venu en vacances. Il n'est pas venu me visiter et repartir. Il n'est pas venu se reposer. Il a dit ceci. Mon Père a jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jésus est venu agir. Il n'est pas venu en vacances. Il n'est pas venu se reposer en toi. Jésus est venu agir en toi et à travers toi. D'abord, il faut te réjouir de cela. Wewe ni kama nyumba. Wewe mzigizu. Shetani anakaa ndani yako kama Yesu anakaa ndani yako. Satani shauri kutura mlio chama Yesu anakaa mlio. Wakati Yesu hajakuja ndani yako, Shetani alikuwa ndani yako. Ije Yesu anataraza mzima kwa Satani alaje mlio. Sasa Yesu ni mwenye nguvu kwa Shetani anamfunguza. Leo Yesu kwa kwa kutimbara kwa kuta Satani yaramuka. Sasa Yesu ndani yako. Leo Yesu kwa mlio. Il n'est pas venu se reposer. Na hapo yaje mkaruhu. Il n'est pas venu en vacances. Na hapo yaje mwiva. Il est venu agir en toi et par toi. Donne-lui l'occasion d'agir. Donne-lui l'occasion d'agir. Jésus en toi. Yesu muri wowe. Tu peux tout. Ushobora byose. Jésus en toi. Yesu ari muri wowe. Tu peux franchir les miracles. Ushobora gusimbuka igihome. Jésus en toi. Yesu ari muri wowe. Tu peux faire des exploits. Ushobora gukora ibitangaza. Avec Dieu. Hamwe n'Imana. Franchir les miracles. Tuzasimbuka igihome. Avec Dieu. Hamwe n'Imana. Faire des exploits. Tuzakora ibyishimo. Avec Dieu. Hamwe n'Imana. Nous marcherons dans les possibilités. Tuzagendera mu bidashoboka. Aujourd'hui, Dieu veut te réveiller. Uyu munsi n'Imana ashaka kudukangura. Que tu dois quitter la logique normale. Parce que Dieu est en toi. Et Dieu est au-delà de la logique. Puisque Dieu est au-delà de la logique, Dieu ne va pas faire ce qui est logique. Dieu va faire ce qui est au-delà de la logique. Mais Dieu va faire ce qui est au-delà de la logique. Si tu as compris, lève ta main.
Nenda kumaliza kuna shida kubwa sana. Ndashaka gusoza ariko hari kibazo gikomeye. Si tu ne te révoltes pas contre le statu quo, tu vas rester un mesquin dans le monde de l'évangile. Ni tu ti vugura ku bintu bihoraho bisanzwe, tuzaguma muri bwa buzima busanzwe. Tu il faut passer par un temps de question. Tu que kugeraho twibaza ibibazo. Nataka kumaliza hivi. Ndashaka gusoza. Yesu aje kuja ndani yangu mimi kwa mtu gani? Ese Yesu ataraza muri nje nari mu nguki. Mara nyingi hayo yanarudilia kwa hivi kwa mlevi. Sasa mtu unaacha ulevi, ni kwa mzizi, unaacha mzizi, ni kwa mwizi. Haya ni mazuri. Akeshi bigarukira kuvuga ngo narumusinzi, ndakileka, narumusamba nyinga bileka. Ibyo ni byiza, lakini haiko hayo tu. Ariko nta ari ibyo byo ni pamoja na kutoka utumwani wa dhambi. Hamwe no kuva mu bubata bw'ibya. Yesu ndani yangu. Yesu muri nje. Ameniingiza katika ulimwengu wa yote yanawezekana. Yaani ujishe ngisi au Joseph show. Sinon c'est du nonsense. Ni batari byo rero ntacyo bivuze. Dans ta vie quotidienne, murusi mabgaida uri Mungu. Pense toujours, utekereze, que fais je ici à moi? Ni niki Yesu ari gukora muri iki? Jésus est là. Yesu ara. Si tu l'as reçu, Dieu aura m'accueilli. Bientôt. Ari muri wowe. Léoni. Ali muriwe, il est là, arahari ali. Et il veut aujourd'hui nous libérer. Arashaka kutuhora de cette fausse conception. Il mitekereze italiyo. Wakati malkia wa kusini, igihe umwami kazi wisheba, entendu la sagesse de Salomon, umvise ubwenge bwa Salomon. Il est allé de il a quitté la région la plus lointaine, il est allé à Jérusalem. Après voyez alors voyez de moi et de moi. Igi umwami kazwisheba yumvise inkuru z'ubwenge bwa Salomo yafashe urugendo rwatwaye amezi n'amezi kugira ngo ajye kumva. Il est allé là pour voir Salomon. Yagiyeyo ajye no kureba Salomo. Et entendre la sagesse que Dieu lui a donnée. Kugira ngo yumve nanone ubwenge Imana yamuhaye. Et il a dit ceci. Hanyuma yavuze atya. Écoutez ce qu'a fait la reine de Sheba. Ngo mwumve ibyo umwami kazwisheba yakoze. Il est allé voir Salomon. Yagiye kureba Salomo. Ici vous avez plus que quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Hano mufite utacyane Salomo. Il a dit ceci. Yavuze atya. Les gens de l'époque de Jonas le prophète. Ngo abantu bo mu gihe cya Yohana cya Yona umuhanuzi. Ils ont entendu la prédication de Jonas à Ninive. Bumvise ubutumwa bwa Yona i Ninive. Ils se sont repentis. Bari hana. Ici vous avez plus que Jonas. Hana mufituru tayona. Amen. Ça veut dire quoi? Bivuzikire. Si un homme comme Obama. Nibu munu mwana munu na Obama. En le recevant chez toi une semaine. Kumwakiri wa icyumweru kimwe. Le décor de ta maison change. Umitako cy'abasubuka inzu yawe yari itatse byahindu. Tout le voisinage est ému. Abaturanyi bose bakabimenya bagatangara. C'est un homme comme toi. Akaba ari umuntu nkawe. Qui est né comme toi, qui mourra comme toi. Wafutse nkawe akaba azapfa nkawe. Qui était rien il y a 20 ans. Wari utazwi ubusa imyaka 20 ishize. Mais Jésus. Ariko Yesu. King of kings. Umwami w'abami. God of lords. Umwami w'abami. Alléluia. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Umwami w'abami. Umwami w'abami. Hallelujah. Amen. Almighty God. Imana ishobora byose. Tu le reçois en toi. Ukamwakira muri wowe. Et ton décor reste le même. Ariko ubuzima bwawe bwari bwabo. Le voisinage ne le sait pas. Abaturanyi ntibabimenye. Les choses demeurent comme ils étaient. Ibintu bigakomeza kuko byahoze. Il faut repenser le destin. Ukwiye kongera gutekereza ku gakiza kawe. Est-ce vraiment Jésus de Nazareth que nous avons reçu? Est-ce koko nakiri Yesu w'i Nazareth? Est-ce Jésus de Nazareth? Est-ce ni Yesu w'i Nazareth? Pose-toi la question. Oui, vas-y, tu tiens. Jésus en toi. Yes, muri wowe. Paul a dit quoi? Paul a fait oui, celui qui est en nous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, ni mon coup, un petit balade pour tout le monde. Qu'est-ce qu'a dit Paul? Paul a fait qui? La puissance qui agit en moi. Il me fait vivre les choses qui sont au-delà de l'ordinaire. Si tu m'embaro, 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 m'embaro. Dieu veut que tu te réveilles. Image à côté du camp. Jésus en toi. Yes, muri wowe. Jésus en toi. Yes, muri wowe. Jésus en toi. Yes, muri wowe. Toi avec lui. Wowe na Yesu. Lui avec toi. Yes, now. Il n'y a aucune miraille. Amen.
Jésus avec toi. Yes, you have toi avec Jésus. Now, can we come in Jesus? Nécessairement. Impérativement. Il doit y avoir des exploits. Les exploits, Nous, Bethel, refusons. Amen. Jésus en toi. Yes, oui, oui. Jésus en moi. Yes, oui. Le voisinage doit le savoir. Qui garde doit le savoir. Le Rwanda doit le savoir. La région des Galates doit le savoir. L'Afrique doit le savoir. L'Afrique doit le savoir. L'Europe doit le savoir. L'Amérique doit le savoir. Le Canada doit le savoir. L'Asie doit le savoir. Jésus est en nous. Yes, oui, oui. Qui gagne doit le savoir. Lazima kazi
Mali pote wakati wote utakuja sehemu hizi. Ije
cyose aca muri izi nzira ubona kujya kupumzika kwangu ujyuza uruhukiri wanjye akamwandalia cyumba katika nyumba ya cyumba amutegurira icyumba mu nzu yo hejuru nawe mtu wa Mungu akakubali wa muntu w'Imana remera wakati wote anapita pale anapumzika igihe cyose yacaga ugaho yaraza muri iyo nzu akaruhuka amemjengea cyumba yaguha cyumba cya gitanda ashyiramo igitanda na anakuwa anapumzika pale anona akajya aruhukira ule mama alikuwa tasa uwo mugeni ni yabyaga ari ngumba sasa siku moja umunsi umwe rero haleluya amina ule mtu Mungu akasema wa muntu w'Imana aravuga ngo kamuliza mtumishi wake alazimukozi we sasa uyu mama ametufanyia wema huu anabwa uyu mugeni watugirie inezi gani tja tumuombee kitu gani kwa Bwana ese tumusalie kikubali Ah mambo ya ulimwengu anayo kubintu byinshi utunze byisa rafika hata mfalme anamtua umwami aramuza sasa anakosa nini nesa uzichi kwa sababu yale ya kikawaida anayo uko ibisanzwe arabifite tunataka tumuombee yale yasiyo kwa kawaida tunataka tumsengere kubidashubidasanzwe kwa sababu ya kawaida ni ya mwanadamu uko ibisanzwe ni jumla naomba lakini sio kawaida ni ya Bwana ari kubidasanzwe ni jumla yake anasema sasa hazai aravuga ati rero ntabwo byara ni ngumba yote na anajulikana kwa mfalme na ana utajiri ni tasa huu kwa fitiri mjozi mtunzi kwa ungeisa kwa wasipino azipino kumami aliko ni ingumba na abyara utajiri unaweza kupata by yourself umutunzi shumura kubwa na kujitika hawa kujulikana kwa wakubwa walimwengu unaweza kuyapata by yourself kumenyekana kwa kurubisi ushobora kubiko na kujitika hawa unaweza kuyapata by yourself ushobora kubibo na wewe kujitika hawa ila kuna mambo hawezi kuyapata by yourself aliko alimi nashora kuona wewe kugawa hata wanadamu hawezi kukupatia ndaba na wanadamu nashora kuguha kasi ule mama hawezi kuzaa uwa mtele leo nashora kuipuja alafu mtumishi wa Mungu Elisha alimu mkosi mana Elisha asema aha alafu atirero hayo yasiyo ya kawaida ito lela mtasana hayo niyo tutamuombea Alikuwa mtu wa mkei asamika arabiana Alipokea mtumishi wa Mungu Elisha Yaki yumkozi mana Elisha Dani ya nyumba yake Mwuzuye Na mambo ya mbadilika Mwuzuye ya mbuka Sasa wewe Lero uwese wewe Ulimpokea zaidi ya Elisha Kwa waki yuru ta Elisha Ulipokea Bwana wa Elisha Waki ye umnangu wa Elisha Yesu Kristo Ni Yesu Kristo Kwa nini mambo ya sabadilika Kuchini mitahinduka Kwa nini mambo ya sabadilika Kuchini mitahinduka Elisha ndani ya nyumba ya mama yule Musunemu mambo ya badilika Elisha alimonzi ya wamu Kone umu shunemu Ibinu tala imuzi Ya siyo zekane ya wezekane Ibinu mitasho wakakabjara shumuzi Maitajiawa elichiriwa Ibisubizo Gifuzo jawa jara sumishwe Sasa unasema unampokea Mungu wa Elisha Nono rafuga mwati imana ya Elisha Unampokea Bwana wa Elisha Waki unani wa Elisha And the things remain the same Ibinu mika kumba kwako Kuna mambo ya siyo kwa sawa Hali chini chitajela neza Sina lushiki meni Nibi njuvika na lumbe njigawa Ikiwa nampokea Felix Ni ima shora kwa kina Felix Na njaa ndani ya nyumba inakuishi Mungu wange chivazo chiza na kikachemuka Anagusa kwenye mfuko Agakura mfuko Nikimpokea Mungu wa Felix Nina kili mani ni mwri Felix Mambo atakuwa na mwri Ili mwri sambe na mwri Hata gusa mfukoni tu Na agwaza kura mfuka gusa Ni mimi ntagusa mfukoni mwako Aungo nani nta kura mfuka wana Sao ni na Mungu wa Felix Uko pitima ya Felix Hayo ndio mambo tunataka kujua. Ndio leo ninge tukie kusema mchezo. Nataka mjue Mungu aliye ndani yenu. Ndio leo tumumeni imani ili kulimwe. Kuna watu wanafikiri wa Mungu yuko ndani ya wengine. Hata watu watekeleza kwa imani ili mubali. Mungu yuko ndani yako ikiwa unapokea Kristo. Imani ni mli wewe ni wewe unakiria Kristo. Ukiachua mimi mimi ndio funguo. Ngoja ndio funguo sasa mambo ya ajabu. Bibi imitanga. Mambo ya ajabu. Imitanga. Mambo ya ajabu. Imitanga. Mambo ya ajabu. Imitanga. Acha Yesu ndani yako. Weka Yesu mli wewe. Alete chibu wengine azadi kisubizo kubali acha Yesu ndani yako weka Yesu mli wewe pamoja na yeye hamwe na Yesu wewe na Yesu wewe na Yesu Yesu wako Yesu wako ndani yako mli wewe ndani yako mli wewe unaweza mambo ya ajabu mwisho wa kitabu kwa kitabu sasa tunataka hii bete tunashaka kuibete imudhirishe Mungu ikaragaza kwa kuimani hata Rwanda hano Rwanda Africa muri Africa na nchi zote zionisi ninaamini hapo tunajizee
agerageze kuyumva katuwe ikibuge cyacu kama mtu hayimukira nda hiyo rero umuntu nagahaguruka muri uko gutu uyo hayiko na sisi uyo ntabwo kumwe natwe na mawazo yote kinyume na haya maneno tunabaka amen ibitekerezo byose bitandukanye nyinyi jambo bijugunye kure avec Dieu tu franchis le amen amen imana tuzasimbuka avec Dieu tu nous feras des excuses amen imana tuzakoreshwa ibintu twa nataka tuanze kujiga neno hili ndashaka tutangira kwiga nyinyi jambo le mot impossible doit être banni Yesu ndani yako. Ni bangi mizera kwa Yesu ndani yako. Ni bangi mizera kwa Yesu ndani yako.
naona sasa unaona leo nataka kuambia siri moja shako kiliwaangalia ulimwengu ulituita wa Kristo hii ya Kristo wa Kristo unajua maana yake msikie sawa Kristo alikuwa mmoja Yesu yarumie roho yake ukumbuke umaze kuuza pamekuwa wa Kristo wewe haweka wa Kristo wewe nawe unamwakilisha Kristo usikusema kija kuangalia Kristo alikuwa mmoja yarumie sasa alikuwa baba yake Acha fanya kazi. Ndikaleo Kristo kwenye mlimo. Wapi kwenda tena? Ni mambo ya vuze ni vuze avantage. Amen. Il vuze avantage que je m'enaille. Et ni kija kama giza kwa gene si je ne m'en vais pas. Kuko ni najenga. Le consolateur est venu. Il fasha na zaza. Ça veut dire quoi? Il vous dit si vous voulez me garder moi. Ni mosha kungu manager je serai un seul Christ. Ça veut dire Christo kungu. Mais si je m'en vais, aiko ni nje. Je veux là. Vous comprenez? Amen. Amen. Je veux me démultiplier dans plusieurs. Oui. Nous avons nous. Oui. Amen. 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 C'est pour cette raison que l'esprit est venu. Il y a pas de voyage. Autrement, Jésus était seul. Jésus est où? Maintenant, Jésus est à plusieurs. Comme Jésus à la hausse. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? C'est ça. Et que Dieu tient. Aujourd'hui, aujourd'hui, les choses doivent changer. Il faut s'y aller, il ne peut pas. Je me réjouis.